Salut Kevin Gamers, j'espère que vous allez bien. C'est JDL King pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai oublié bien sûr de cliquer sur le jeu. Donc là, on va aller faire la suite directement. Il manque 5 esquives à faire. Donc on va les faire. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il y a une grotte. Là, il y a une grotte. Et j'aimerais bien y aller pour voir à quoi elle correspond. Bien sûr, je me trompe, hein. Bien sûr. Non, ça n'a rien à voir. Alors, à moins que... Ok, alors attends, D. Parce que en soi... Non, bah non, je vais garder ça en fait. Je vais garder ça comme ça. Réveillon. C'est que ça, c'est tout. Ok. Ok, ok, bah si c'est que ça. Ah bah je sais pas. On va voir. On verra ça plus tard hein, du coup. Hein. Réveillon. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ah, j'ai compris. Ok. Ok, il était assez simple. Mais d'accord, ouais, c'est pas du tout le même truc. Alors, je sais pas ce que ça va faire une fois qu'on a réussi toutes les épreuves de Merlin. Mais c'est plutôt fun comme comme épreuve, en fait. J'aime bien, personnellement. Ça fait réfléchir, même si en vrai, celle-là, elle était assez simple, j'ai trouvé. Ok, je sais pas. Bon. Trêve de blabla, on va aller voir Scrop. On va aller clairement voir Scrop le plus vite possible. C'est quoi ça? Rébellion. Alors, super, mais à quoi ça sert? Je sais pas. Je sais pas.
pas du tout. C'est pas grave. Attends. Il faut que je regarde un truc. Parce que ça me semble bizarre. Les talents, bah oui, c'est ça. Talents, bah oui, voilà. Les talents, tout simplement. Bah pourquoi j'ai pas accès aux talents? Je sais pas pourquoi j'ai pas accès aux talents. Scope, c'est tout au sujet du livre que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque chose? Scope pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scope a laissé un autre message après le pont dans le cercle de pierre. Fais attention, n'en parle à personne. Scrope? Qui est Scrope? Je suppose qu'il va y avoir un Alomora. Pas Alomora, un Levioso là. Attends. Vous êtes presque approché des citrouilles juste après le cercle de pierre. Regardez, dans l'une d'elles, vous pourrez peut-être aider le pauvre et son cœur brisé. Ok. Des citrouilles? Ah, je crois que je sais où aller. Oui, des citrouilles, oui. On y est passé en plus, ça tombe bien. Oh, je suppose qu'il faut les éclater. Notre jeune serpentard doit brûler d'impatience à présent. Rejoignez Scorp au bord de l'eau, près du quai abandonné. Au bord de l'eau. J'espère que c'est pas une farce. Non, c'est bon. Ah, dommage. Merci d'avoir fait le déplacement. Scrope est mon nom. Scrope sert le directeur. Scrope est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrope voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrope peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Avec plaisir. Surtout si ça me permet d'en savoir plus sur le livre.
Scrope vous remercie. Okay. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrope, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrope pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrope a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrope pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrope aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrope d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrope continue de respecter sa demande. Scrope n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrope a su que vous cherchiez ces pages, Scrope a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Ça pourrait nous aider tous les deux. Ok, on va y aller. Soulagé. Scrope espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scrope vous attendra juste ici. Revelio. Ok, parfait. Donc apparemment j'ai eu des trucs intéressants. Donc du 24, ça sert pas à grand chose. Hein. Vous pouvez voir, même si... Ouais non, mais ça m'améliore pas mon truc. Ça, faut être niveau 16. Et je suis niveau, je sais plus, 41 par contre. Hein. Donc en vrai ça commence... Ah oui, ok, je suis niveau, niveau 15. 16, ok. Ce serait combien? 40. Et limite, ça c'est mieux quoi. Par contre, vu la couleur, on va changer directement. Parce que ben, je suis désolé, mais j'y ai envie, hein, limite. Hein. J'aime bien hein, l'idée, hein. Mais non, on va garder ça. Gardons le traditionnel, on va dire. Le spectre de notre amour. Périple sucré par là à Garrett Weasley. Un créasseur d'invocation. On va aller là. On va aller là, comme ça on va prendre le truc. Faut que je prenne la cheminette également. Voilà, c'est tout. Comme ça on fait les quêtes secondaires qu'on aura sur la route. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. On va attendre. On va attendre. Yes, il est là. Garrett, tu m'as appelé? J'espérais que tu voudrais te racheter. Après tout, tu ne m'as pas rapporté la plume de Fossifère en cours de potion. Tu comprends? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whizbees. Oh là là, il manque un ingrédient clé. Il est lourd. Toi et tes mixtures. Je ne sais pas comment tu trouves toutes ces idées. Il faut croire que j'ai un don. Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbees, ce sont les dards de Billywig séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honeduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potions qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honeduc et me récupérer des dards de Billywig séchés. Je sais pas, Garrett. Un passage secret vers une cave, c'est sûrement interdit. Pas du tout. Ce passage est tout à fait autorisé.
Si je le pouvais, je l'emprunterais moi-même. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du troisième étage. Touche-la avec ta baguette et dis Dissendium. Je vais voir ce que je peux faire, Garrett. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Amit de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Ok, bon. Je dois rapporter ces dards de Billywig séchés à Garrett pour qu'il puisse finir sa dernière concoction. Une statue de sorcière avec un seul œil devrait être facile à trouver. Réveillons. Action. Allez, le blason de Poudlard, on continue. En plus, il y a un truc. Rébellion. Attends, ce je cherche la... Ok, je vois, elle est un peu sur le côté là-bas. Ok. Ok, elle est en bas, c'est bon, j'ai trouvé. Hop, voilà, le viaduc. Attends, quoi? Ah! Donc. Ça, c'est le dernier. Donc, 1. Un. 2. Un, donc, 2 là. Et ça, c'est le dernier. Ok. Oh! J'ai deux triangles, ta mère. C'est lequel? Le premier. Ok. Du coup, c'est celui-là. Oh putain, quel beat! Deux. Un. Incendio. Normalement c'est ça.
Ouais, 4. Ah, bien sûr. Hein? Putain. Mais non, mais... Pas besoin. Ok, parfait. Ok, let's go. On va passer par là parce que bah, ça m'a l'air plus proche. On va faire son truc quand même. Ça va charger, voilà. Du statut born. Hein? Alors, 4. Ça, c'est 2. Donc 0. Voilà. Donc ça, ça fait 6. Donc 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et l'autre, il est où? Rébellion. Il est en bas. Ok, parfait, j'ai trouvé la salle commune, je suppose. Serre d'aigle, non, pousse où ça? Ça me semblerait logique. Ok, ouais, ça peut souffler. Je sais pas où est-ce qu'elle est là. Bah, je vais sûrement tomber. Rébellion. On dirait
trouverai la statue que je cherche. C'était quoi le mot de passe déjà ? Dissendium. Ok. Ok. J'étais en train de chercher la clé. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici ? C'est pratique. Un monte-charge. Je peux descendre par là, mais il a l'air cassé. Ah oui. Et baby. Réparo. On va le garder. Par contre, ça c'est chiant en fait. Je peux pas. Donc c'est chiant. Tant pis, écoute, on va aller faire comme ça. Hein. Revelio. On dirait que ça a marché. Ce château ne cessera jamais de m'étonner. Revelio. Incendio. Logique à toute épreuve, je le dis. Je suis coincé. Je vais sortir d'ici. Les chaussons. C'est plus ça qu'il y a besoin. Réparons. Les vieux sont. Incendio. Réparons. Je pourrais traverser. Les vieux sont. Quelque chose bloque cette plateforme. Action. Les vieux sont. Je devrais utiliser Axio pour enlever ce portrait du passage. Axio. Les vieux sont. Ça a fonctionné. Ce
Ce doit être la sortie. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Incendio! Ah, une odeur de sucre. Je dois approcher de Honeduc. Bon, voilà. C'est l'heure d'être bien. Bien comme il faut. Le temps passe très très vite, hein. Vraiment. Revelio. Honeduc. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver des dards de Billywig séchés pour Garrett? Séché. Je n'ai plus qu'à les remettre à Garrett. Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction. Ok. Ouais, d'accord. Et en gros, là, je dois refaire le sens inverse. Revelio. Ok, j'ai pas compris. J'ai pas compris à quoi ça sert. Ok, parfait. Donc on va prendre également le truc qui était juste devant, que j'ai pas fait gaffe, le papier là. Faudrait regarder tout ce qu'on a. Revelio. Action. Oui bah oui, passage Honeduc là. C'était évident. Là. Ça. Ouais, c'est bon. Au coffre de collection, j'en ai encore 15 à trouver. 25 à trouver, je dis des conneries. J'en ai encore plein à trouver, hein. Plus de... bah, 187. Statue des Megis, ouais. Table d'astronomie, yes. Donc, ça va se faire, hein. Ça se fait, hein. C'est hyper long, mais ça va se faire, hein. Donc ça, je sais pas combien j'en suis pour ça. On va voir ça. Chariot disparu. Le chariot que j'ai toujours pas fait, hein. Faut se l'avouer. Faut clairement se l'avouer.
Cependant... Oh là là là, tout ça c'est terminé, hein. Mais... C'est pas grave. Je sais pas combien, je sais plus combien il en faut là. Bonjour Garrett. J'ai les dards de Billy Wick séchés. Tu les as trouvés? Incroyable. Ça m'a demandé plus de travail que prévu. J'aimerais être payé pour ça. Bien sûr. Je ne pensais pas que ce serait si difficile, mais je me ferai un plaisir de te rémunérer. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer Dommage. Ma première cuvée de Fizz Whizbière. Je pensais qu'il allait dire non. Panneau de Quidditch. Quête annexe. Ah bah 16, regardez. Donc c'est pas celui-là, c'est là alors. Alors non, mais écoute, tant mieux. Alors je vais l'enlever par contre. Parce que j'ai pas envie d'avoir une gueule comme je sais pas quoi là. Donc ça, c'est pareil, on va l'enlever parce que j'ai pas envie d'avoir une gueule comme je sais pas quoi. Dans tous les cas, c'est meilleur. Ok, parfait. Ok, parfait aussi. Dans tous les cas, c'est meilleur. Et là, je gagne un peu, quoi. Mais pas beaucoup, tu vois. Ok. Pour le peu que je gagne, ça vaut pas le coup du tout. Là, ça, ça ressemble à quoi? Pas fan. Je préfère toujours ça. J'ai dû 5000 balles à quelqu'un. Merde. Est-ce qu'il y a d'autres quêtes? Dernier espoir. J'ai découvert sous Poudlard la cachette d'Apulida qui ouvre dans une grotte de la rive. Se trouve sur la rive. J'espère que ça va vraiment quand ils trouveront. Dans tous les cas, c'est la merde. D'accord. Charou disparu. Examiner la grotte. Ouais, bah tant qu'à faire. Hein. Tant examiner la grotte et puis on va voir. Hein. On verra. On verra. On va faire ça. Hein, pour aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un veut passer chez Kikepek avec moi. Voilà. Revelio. Y a rien. Ok, parfait, hein. Écoute. Hein. Ah oui. Oh putain. Ah oh, c'était de ce côté-là, d'accord. Incendio. Action. On va aller voir sur le petit truc là-bas là.
parce qu'elle n'est pas là pour rien, cette île. Revelio. Ok, hein. J'aurais sûrement pu faire l'autre tour, mais bon, oh, largement même. En plein milieu, oh, faudrait y aller. Ok. Ah, c'est horrible. Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Bon, les gens, je vous sais là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch tous les soirs de 20h à 23h. Le lien est dans la description. Je vous laisse, c'était GD Gaming. Allez, ciao tout le monde.